Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, le Sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Durant son ministère, Jésus a guéri des malades et des infirmes. Il montrait ainsi que Dieu était en train de réaliser son royaume dans notre monde. Ouvrons nos cœurs à la présence du Seigneur. Qu'il guérisse en nous ce qui est blessé, qu'il nous prenne la main et nous relève. Seigneur Jésus, envoyé par Dieu le Père, viens guérir nos cœurs fatigués et troublés et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre Sauveur, viens nous faire revivre et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, vainqueur du mal et de la mort, viens nous soutenir dans nos moments d'épreuve et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous aide à grandir de jour en jour vers la vie éternelle. Nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit, « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme la manœuvre qui attend sa paix, depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand qui s'achève faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia.
le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Dans un cadre inclusif de prière, l'évangile de ce cinquième dimanche ordinaire de l'année liturgique B comprend trois épisodes. La guérison de la belle-mère de Simon, les guérisons multiples opérées après le coucher du soleil et le départ de Capharnaüm vers les bouts de la Galilée. Aussitôt sorti de la synagogue, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Donc, Jésus vient de participer à la grande assemblée des croyants du sabbat pour la prière, la louange et l'écoute de la parole de Dieu. Et plus loin, au verset 35, l'évangéliste Marc rapporte ceci. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Cela nous démontre que les premières heures de la journée de Jésus sont consacrés à Dieu, son Père. Donc, Jésus se retira dans un endroit désert, voulant dire qu'il vit dans la solitude et le silence du cœur pour prier. C'est ce qui constitue le cadre inclusif de la prière de Jésus, le début et la fin de ses activités. En ce sens, la prière de Jésus rejoint la souffrance humaine et en est le cri. Il suffit de se rappeler l'exorcisme de Jésus à la synagogue, dans le lieu saint, le jour du sabbat. Arrivé chez Simon et André, Jésus fait encore face à la maladie. La belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre.
Dans la tradition juive d'alors, c'est la maîtresse de maison qui aurait dû allumer les bougies du sabbat pour la prière. Cependant, comme la belle-mère de Simon était malade avec de la fièvre, cela suppose que la maison était dans les ténèbres. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Comme le fait remarquer quelqu'un, parler des malades à Jésus et parler de Jésus aux malades constitue un double mouvement à accomplir. Dans nos prières d'intercession et nos relationnels. Et c'est aussi dans ce but que l'Église célèbre le 11 février, donc dimanche prochain, en la fête de Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale des malades. Parler de la fièvre peut signifier dans la Bible une maladie plus sérieuse encore, avec un écho dans la vie spirituelle. Au fond, ces marques nous renvoient à nos propres maladies spirituelles et physiques. Et c'est pour nous l'occasion favorable de les confier à Jésus. Ainsi, Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main et la fit lever. Autrement dit, Jésus l'a attrapée et l'a ressuscitée. Car la main de Jésus est celle de Dieu qui guérit, relève et libère. En Isaïe, chapitre 59, verset 1er, il est dit, « Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Voilà pourquoi, comme Job, osons crier nos souffrances à Dieu. Face à nos misères, l'attitude de Jésus est de poser le geste de Dieu, nous saisir par la main et nous ressusciter. De plus en plus, nous compatissons aux souffrances des malades hospitalisés ou à domicile. Et toutes ces personnes, apparemment bien portantes, mais qui souffrent en silence. Comment les aider? Que ferons-nous pour ces gens? Le verset de l'Alléluia s'associe au psaume 146 du jour pour traduire la volonté de Dieu. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Puis ses manques ajoutent. La fièvre la quitta et elle les servait. Maintenant guérie, debout, reprenant sa place de maîtresse de maison, la belle-mère de Simon témoigne par son service la bienfaisance de Dieu. Car comme toute action charitable, la prière est avant tout l'un des moyens privilégiés de servir Dieu. Le soir venu, après le coucher du soleil, l'évangéliste souligne les guérisons multiples de Jésus et surtout son combat contre les démons. La ville entière se pressait à la porte. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il chassa beaucoup de démons. En effet, Jésus impose le silence aux démons parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Malgré tout, pendant sa prière le lendemain matin,
Simon et ses compagnons vinrent lui dire, tout le monde te cherche. Autrement dit, le succès et la popularité sont là. En fait, on voudrait bien accaparer le guérisseur Jésus. Et c'est là l'ambiguïté des miracles. Le risque de repartir guéri sans avoir rencontré Dieu, sans avoir rencontré Jésus. Alors Jésus les ramenait à l'essentiel. La prédication du royaume. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile. Voulant dire, de Capharnaüm au village voisin de la Galilée et de là au monde entier. Jésus est sorti pour sauver l'humanité. Proclamer l'évangile, c'est pour cela que je suis sorti, afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Parlez à Dieu son Père, priez. Et nous parler de son Père, évangéliser. Voilà la mission de Jésus. C'est pour cela qu'il est sorti. Et l'apôtre Paul de dire dans sa première lettre aux Corinthiens, la deuxième lecture, annoncer l'évangile, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Frères et sœurs bien-aimés, sommairement, l'évangéliste Marc nous présente une journée missionnaire de Jésus autour de trois axes. Prière, bienfaisance, service. Frères et sœurs bien-aimés, comment se passent vos journées avec le Seigneur? Et aussi, comment se passent vos journées auprès des personnes malades? Jésus guérit toutes sortes de maladies pour proclamer le royaume de Dieu. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La souffrance est toujours présente dans notre monde et dans notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui courage, soutien et goût de vivre. Seigneur, montre-nous ton amour. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que toutes les personnes baptisées
prennent à cœur leur responsabilité d'annoncer l'Évangile en parole et en acte, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant avec un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, souvent privées de soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour le personnel des hôpitaux, pour les intervenants et les bénévoles dans le domaine de la santé, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes soient toujours plus attentives aux malades et qu'elles aient à cœur de leur offrir tout le soutien nécessaire, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité, nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Maria Locke, oui, mère. Souviens-toi de Franca Gastoldi. Souviens-toi de Pietro Gastoldi. Souviens-toi de Angela Maestri. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Romel Florexil et Marjorie Montina, sur Rita Bernadette Alexandre, sur Marie-Gina Romain, sur Riquet Saint-Louis et famille, sur Antonio Junior Charles en action de grâce. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges,
nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe, nous t'en prions. Puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté 1 088 $. Un grand merci à tous. 4 février, demain, il y aura une formation sur le carême, l'esprit du carême pour tout le monde. Vous êtes tous invités et particulièrement les bénévoles. Ce sera ici dans l'église à 14h. Dimanche 11 février, à la messe de 11h, comme c'est le jour, la journée mondiale des malades, il y aura onction des malades pour la communauté, ceux et celles qui le veulent. Alors, en même temps, dans le semilier, vous avez un rapport sur l'exercice budgétaire de la paroisse pour l'année 2023 écoulée en comparaison avec 2022. Donc, vous verrez comment les transactions sont passées, les dépenses et ce qu'on peut espérer. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.